Bonjour, je suis Gisèle Cantoussin. Je suis religieuse, sœur de Jésus serviteur et je suis de nationalité sénégalaise. Je suis une ancienne étudiante de l'Université catholique de Lyon à la faculté de théologie. Je suis actuellement coordinatrice de la catéchèse dans la paroisse Saint-Benoît de Bron. Les années passées à la faculté de théologie m'ont appris à développer le sens de la liberté. Et cette liberté qui me fait chercher le sens des choses dans mes engagements. J'ai eu la chance de vivre une année Erasmus en Suisse. Et cette année m'a aussi beaucoup aidée quand j'ai vu les étudiants, le nombre d'étudiants étrangers qui venaient passer du temps en Suisse, en France pour leurs études. M'ont amené à réfléchir sur la création d'une association qui s'appelle le Pont Fraternel, parce que je me suis rendu compte avec la question de la crise migratoire qu'il y a beaucoup d'étudiants qui n'ont pas la chance de venir étudier en Europe et qui auraient aimé étudier dans leur pays, leur dire mais c'est possible à condition qu'ils soient soutenus. Et aujourd'hui, la théologie ne se pense pas en dehors du monde, en dehors de nos réalités. Elle nous amène à réfléchir aux questions du monde, aux réalités du monde. Qu'est-ce que le monde vit et comment je peux y trouver ma place et m'y engager. Mon meilleur souvenir, c'est vraiment ce temps passé entre étudiants dans l'accueil de nos diversités. Vous savez, l'Université catholique de Lyon, c'est une porte ouverte, une fenêtre ouverte sur le monde. Et pour moi, c'est un très beau cadeau que l'UCLI nous fait. C'est la diversité, c'est l'interculturalité et c'est l'ouverture. Je leur dirais d'abord de ne pas rester seuls, d'aller vers les autres, de ne pas avoir peur de poser des questions, d'interroger, d'étudier, mais avec leur cœur. Ben, on étudie, ça sert à quoi? Ça sert à nous aider à trouver du sens dans ce qu'on fait. Et c'est un beau cadeau de vivre en cherchant du sens. On n'est pas là seulement pour ses études. L'UCLI nous donne la possibilité de nous ouvrir à l'autre, de faire attention à l'autre et justement de développer cette bienveillance à l'égard de l'autre. Et je pense que l'UCLI a tout à fait compris pourquoi elle est là. En plus, implantée au cœur de Lyon, je vois en face de moi Saint-Irénée. Saint-Irénée, c'est Irénée en grec, c'est la paix. Et Irénée, c'est cet homme qui a fait la paix entre l'Orient et l'Occident. Et moi, je lui souhaite juste de pouvoir continuer dans ce sens et de se développer davantage pour que chaque étudiant dans cette université puisse y trouver sa place et puisse s'y épanouir.